Nous sommes quelque part dans un village du Niger, en Afrique de l'Ouest. Un pays sahélien où l'agriculture constitue avec l'élevage la principale ressource de plus de 80% de la population. C'est la période de préparation d'une campagne de warrantage. Les représentants et représentantes des principales parties prenantes au warrantage se retrouvent au village. Dans les campagnes, les producteurs et productrices font partie d'organisations paysannes de base. Ces organisations paysannes sont regroupées en unions. Finalement, les unions sont rassemblées au sein d'une même fédération. Les personnages de la pièce sont un représentant d'une institution de finances rurales, appelé le banquier. Un commerçant, au Niger cela veut dire qu'il est riche. Le président de l'union, qui signe le contrat de crédit avec l'institution de finances rurales, et deux productrices. Nous sommes dans le bureau du responsable de l'institution de microfinance. Et le commerçant, le businessman, vient le rencontrer. Salam alaykoum. Ah, Bachir, comment ça va? Ça va bien, oui? Et la récolte cette année, là? C'est vrai? Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Parce que avec vous, là, vous avez de grandes récoltes et donc nous allons pouvoir vraiment mettre en warrantage une grande quantité de mille. Et en plus, vous avez de grands magasins disponibles. Pour le transport, je sais que vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc vraiment, voilà, c'est une bonne chose. On va faire de bonnes affaires cette année. Ça va être une bonne récolte. Très bien. Merci. À bientôt. Hein. Monsieur le Président, ça va? Ça va, monsieur le Président. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, merci. Tout va très bien. Il y a une bonne récolte en perspective cette année et notre union va pouvoir faire du warrantage. Qu'en pensez-vous, mesdames, de votre productrice? Ah, mais je crois que notre organisation sera au rendez-vous. La mienne également. Notre union mettra du bébé, du guandou, donc le foie de terre, du sésame, de l'arachide. Et avec le crédit, on va faire des bonnes activités qui vont nous ramener des bons revenus. N'est-ce pas, monsieur le banquier? Monsieur le banquier, apparemment, notre proposition ne vous intéresse pas. Si, si, ça m'intéresse, mais bon, vous savez, c'est vrai que votre OP a toujours remboursé son crédit, mais vos productions sont trop petites. Vous n'avez pas une grande production agricole. Mais si vous voulez des grosses productions, monsieur le banquier, nous pouvons mettre en plus de notre production hivernale, nous pouvons mettre nos produits maraîchers. Et souvent, il y a une bonne production. Non, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Vous savez bien que vous n'avez pas vos propres magasins de warrantage. Vous allez devoir trouver des locaux pour stocker la production et ça va encore être réparti dans plusieurs villages. Ça va vous poser des difficultés. En plus, les produits agricoles que vous voulez warranter, ça nécessite des conditions de stockage spéciales, très difficiles. Et donc, nous, ça pose un peu des problèmes. Monsieur le banquier, justement, par rapport aux producteurs hivernales, peu importe les quantités que nous mettons, notre objectif est vraiment de sécuriser nos semences contre les intempéries, les incendies et les parasites. Je comprends bien, je sais que vous avez vraiment besoin du warrantage pour ces choses-là, mais vous savez que nous, nos ressources sont très limitées et je ne peux pas octroyer des crédits à tout le monde comme ça. Monsieur le banquier, vous oubliez que c'est avec nous que vous avez commencé à faire le warrantage. Quand les hommes ont bradé leurs ressources pour aller en exode, et avec le crédit, nous avons fait de l'embauche aux mines, individuelle mais aussi collectivement. Et aujourd'hui, vous nous oubliez tout ça parce qu'il y a des gros commerçants. Monsieur le banquier, nous voulons bien mettre les quantités plus importantes en warrantage, mais les moyens ne sont pas. Les moyens, vous parlez toujours des moyens, mais de quels moyens avez-vous besoin? Mais nous parlons principalement de la terre. Vous savez très bien que les petits producteurs ont de plus en plus de mal à louer la terre. Et en plus, ils n'ont pas accès aux engrais et au matériel agricole. Oui, il y a la terre, mais nous n'avons pas assez de temps pour
Travailler, c'est des petits copains, imaginons, c'est ça ce que nous travaillons. Il y a aussi le problème de la formation, de l'accès à la formation, de l'accès au crédit, de l'accès à l'anglais que nous ne savons pas utiliser. Oui, je vois bien que vous avez beaucoup de problèmes et que le warrantage est important pour vous, mais bon, je vais voir, je vais analyser votre cas et on va voir ce qu'il y a moyen de faire. Vous voyez donc que ces hommes et ces femmes ont pas mal de problèmes auxquels on voudrait trouver des solutions et l'idée c'est de rester ici ensemble pour en discuter.